Putain, bien joué! J'ai dû faire toute la course avec le volant plié. Bordel, j'étais dur. Bien joué, Olivier. Bien joué à toi. Après le deuxième tour, j'ai tapé le mur, j'ai le volant à l'équerre. Quelle horreur! Et salut tout le monde, bienvenue dans cette série Rallycross sur Atlanta. Et avant de commencer la bagarre, et tu vas voir que celle-ci, elle est bien vénère, j'ai plusieurs messages à passer. On va commencer par les remerciements. Tony, alors j'ai flouté ton nom, rassure-toi, mais Tony, merci, tu es passé par mon lien de parrainage pour t'inscrire sur iRacing. Et toi, tu as eu un prix canon pour commencer la simulation. Et ça permet aussi d'aider la chaîne en contrepartie. Merci à toi. Bienvenue parmi nous, j'ai envie de te dire bienvenue dans le grand bain. Accroche-toi, iRacing, c'est pas facile au début. Il y a des guides sur la chaîne, je sais pas si tu les as vus, qui permettent un peu de dégrossir tout ça. Bientôt, il y aura même un tuto Rallycross. Là, c'est une série qui est assez particulière, mais elle vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est une des séries les plus fun de la simulation. Et donc, je ne vous oublie pas, ceux qui attendent le tuto Rallycross, il arrive prochainement. En tout cas, Tony, bienvenue parmi nous, merci à toi. Deuxième chose, je vais remercier Femi. Femi, tu es le grand gagnant du concours des 1000 abonnés. Tu avais gagné un casque G-Pro X Logitech. Alors, au début, on s'est contacté par email. Et puis, tu as eu peur, tu as cru que c'était un scam. Non, c'est pas un scam, c'était très sérieux. En tout cas, tu es très sympa. On s'est contacté ensuite sur WhatsApp. Alors, rassure-toi, hein, j'ai tout flouté. Il n'y a pas ton nom, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ton numéro de téléphone non plus. Et puis, on a fini par s'attraper par téléphone. On a parlé une vingtaine de minutes. Eh ben, tu es bien sympa, tu es belge, et en plus de ça, tu ne roules pas sur iRacing. En fait, tu n'es pas du tout dans le monde de la simu sur PC. Tu n'as pas vraiment le temps, je comprends parfaitement, tu fais des études. En tout cas, je suis content que tu aies reçu le casque. En plus, tu m'as dit que le son était canon, tu sais que je ne l'ai même pas testé pour te dire. Il est tout neuf, hein, il est resté dans son emballage. Eh ben, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Écoute, peut-être qu'on se croisera à l'avenir sur iRacing. Allez, je vais aussi profiter de ce moment pour vous parler de RaceLab et du fait que vous ne le verrez pas dans ce replay. Lors du replay avec la BMW M4, la course précédente, RaceLab s'est comporté parfaitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de ralentissement, RaceLab n'a pas planté, etc. Tout se passait bien. Et donc, vous avez vu d'ailleurs, c'est très propre au niveau de la retransmission. Mais alors pour le rallycross, RaceLab me pose deux problèmes. Premier problème, c'est que le RaceLab a du mal avec le tour joker. Pour lui, il n'y a pas de tour joker. Ça fout un peu le bazar au niveau des données. C'est pas très grave, je vais pas trop rentrer dans les détails pour vous saouler. Mais deuxième chose, c'est que lors de la captation, tout se déroule bien. Et au moment de la compression avec OBS et du revisionnage de la vidéo, en fait, RaceLab fait complètement ramer les courses, en tout cas en vidéo, parce que lors de la captation, tout se déroule bien. Mais quand je les regarde en MKV, j'ai envie de te dire, ou en MP4, le fichier lag. Il y a du lag au niveau du visionnage et on n'est plus en 60 FPS. Il y a carrément des petites saccades. Et je te cache pas que j'ai un PC de guerre, hein, c'est pas le problème. C'est vraiment que RaceLab n'est pas tout à fait optimisé pour le rallycross. Je ne perds pas espoir, je referai des essais régulièrement, parce qu'il y a des mises à jour hein, régulières aussi de RaceLab. On verra bien si un jour il se comporte correctement. En attendant, je vais te le proposer en format classique, donc tu auras le SOF, le classement, là où j'en suis, P1, P2, P3, et tu auras le tour dans lequel on se retrouve. Est-ce qu'on est dans le tour 1, tour 2, tour 3 ? Bref, en plus, tu sais qu'on est sur 10 tours en rallycross, c'est pas très très compliqué à suivre. Et là, très clairement, tout ce qui va se passer, ça va être devant tes yeux. Tu vas voir que c'est explosif. Et maintenant, on va enfin parler de la course, puisqu'on se retrouve à 9 sur Atlanta. C'est un circuit que j'adore. Hein. Ça, c'est comme Charlotte, hein. C'est vraiment un circuit que je kiffe. Je trouve que c'est vraiment des circuits à l'américaine qui sont, je vais pas dire parfait parce qu'il y a d'autres circuits que j'aime bien, mais c'est vrai que ce genre de circuit, je trouve qu'en termes de tracé, il y a tout. Et les tours joker sont bien placés, vraiment tout est... J'adore ces circuits, voilà. Alors, on se retrouve face à Dimitri Seron, il sera P2 sur la grille de départ, je vous le présente plus. Il est belge, il a 5000 d'e-rating, il roule très 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 fort. Et vous allez voir qu'en plus, il va me prendre ma P1 dès le départ, il va se faufiler. Avec sa Subaru rouge, il est vraiment, c'est un diable rouge, j'ai envie de te dire. Et à un moment, il va un petit peu toucher sa voiture, voilà, tu l'as entendu, dans le deuxième tour, il va un petit peu froisser sa direction, il va être un petit peu gêné. Ce qui fait que je vais pouvoir quand même un petit peu lui tirer la bourre. Et à côté de lui, on va avoir Ethan Harrison, le numéro 3.
Alors lui, c'est un petit malin parce que pareil, hein, il va se faufiler entre Dimitri Seron et moi. Il va me prendre ma P1, j'étais P1 au départ. Et il va un petit peu me gêner. Alors il roule très très fort, mais je sens que je peux le manger, clairement. Mais il protège bien sa trajectoire. Je fais tout pour le gêner, pour le faire ralentir, j'essaye un peu de le cutter. Évidemment, je ne peux pas le toucher, j'ai pas le droit, hein, on le sait très bien. Et donc j'essaye de le faire proprement. Je t'en dis pas plus, tu vas voir que vers la fin de la course, il va se passer des petites choses. Derrière, c'est aussi la grosse bagarre. On a Jan Hoffmann, le numéro 4. Alors lui, pareil, hein, il va mettre une pression du diable dès le départ. C'est simple, si je fais une erreur, je perds aussi ma P3. Tu vas voir que toute cette course, c'est de la haute, haute, haute tension. J'espère que tu t'es bien accroché dans ton fauteuil. Tu t'es pris une petite bière ? Écoute, on y va, c'est parti.